Et puis sinon, tu en parlais tout à l'heure, les tournois en Jamaïque, j'ai dû passer 2 mois là-bas. Il y avait plein de futurs avec Dustin Brown, avec Ryan Russell, 2-3 Jamaïcains sympas, où c'était une ambiance extraordinaire. C'était le début du tennis, enfin, où ils lançaient leur futur sur place dans des beaux clubs, dans des country clubs. Je me souviens d'une belle anecdote où on avait fait la soirée des joueurs dans un camp de nudistes, ce qui est très intéressant. Donc, on jouait la journée et le soir, on allait à côté dans un resort où tout le monde était à poil. C'était très sympa. Est-ce que l'histoire dit que vous jouiez le jeu? Bien sûr, bah sinon on rentre pas. On devait laisser le jean, les chemises, ça c'est assez drôle. Donc tu es là, tu joues contre le mec, il fait chaud, 6-4 au troisième, tu perds, tu as envie de le buter. Et bien sûr, tu le vois les couilles à l'air à minuit en train de boire une bière. C'est vraiment un bon esprit. Alors, juste petite précision, Dustin Brown, il a la nationalité allemande, mais c'est vrai qu'il a le look et qu'il va bien dans le décor, quoi. Voilà. Ouais, moi, je jouais en double avec lui. J'ai joué en simple et en double. C'était un de mes très bons copains sur place. Ouais. Et puis, il se fondait plus dans la masse que moi. Et pareil, dans Kingston, il m'a emmené. Il m'a dit, viens voir le. Il me dit, par contre, reste pas loin de moi, quoi. Parce que lui, il se fondait, moi, moins déjà, dans Kingston, dans les années 2000. Mais c'était super sympa. Hein. J'ai adoré la Jamaïque. Mais encore plus sympa d'être avec Dustin. Ça, c'est sûr. Salut, c'est Max. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Tennis Légende. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes au format audio sur le premier lien dans la description et nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne. Vous pouvez enfin nous soutenir avec la plateforme Tipeee pour nous pousser à vous régaler chaque semaine.